Et là, on arrêterait l'enregistrement. Évidemment, donc je partageais l'écran, off, avec mon truc qui s'appelle Openboard. Hop là, ok. Alors, nous en étions rendus à l'exercice 5. Alors, attendez, je vous mets quand même l'énoncé, c'est pas ça. Alors, normalement, si c'est bien fichu, vous voyez pas le truc. Alors, l'exercice 5, question 3, hein, c'est ça? Voilà, Hop. la SS Paragine. Voilà, la S-asparagine. OK. Alors, hop, est-ce que vous voyez ça, déjà? Ça, c'est l'énoncé. Vous le voyez ou pas? Oui, Ouais, c'est bon? on voit. Voilà, ça, c'est juste pour vous mettre, en fait, l'énoncé sur la partie 3. Et puis, donc c'était l'idée, c'était de faire du Fisher. Donc, je vais passer. Donc, ça, c'est. Parce qu'après, en fait, à la fin, je peux vous sortir tout ça par PDF, en fait. D'accord? Donc, normalement, ça fonctionne bien. Alors, on est sur la. Je n'ai pas lu l'énoncé, excusez-moi, je reviens. On est sur la S-asparagine, donc un aminoacide naturel qui est présent dans les jeunes asperges et qui confère donc un goût amer et son énantiomère non naturel. J'arrive pas à lire avec le truc. Hop là. Mais qui peut en revanche être synthétisé en laboratoire à un goût sucré. D'accord? Donc, ça. Hop. Alors, la S-asparagine, je vais vous faire un petit dessin. Un petit dessin, hop là, au volet. Hop. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, on a OH, CO, c'est comme ça. Toc, toc. Et ici, CO, NH2. Et en fait, la question, c'est, ici on a un NH2 comme ça, la question c'est de dire s'il est devant ou derrière le plan. C'est-à-dire soit comme ça, soit comme ça. OK? Alors comment on fait ça? Eh bien... Comme on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous en souvenez, en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on trouve un S. Faut trouver S. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va le considérer comme ceci, c'est-à-dire le 1, ça va être le NH2. Ensuite, il faut qu'on compare finalement ici carbone, carbone. Donc, le carbone asymétrique, hein, je le représente ici. Hein. Ici, on a carbone. Carbone, donc c'est la même chose. Ce carbone-là est lié à deux oxygènes ici, un oxygène ici. Ce carbone-là est lié à un autre carbone. C'est donc bien celui-là qui est second et celui-là qui est troisième. Si on regarde bien, on tourne comme ceci. D'accord? Donc vous regardez qu'en fait on tourne comme pour faire un S. D'accord? Eh bien, ce qui veut dire, je vais prendre en noir, là, ce qui veut dire que le quatrième groupement, eh bien, il est en arrière du plan. Il est en arrière du plan. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Donc, si vous dire qu'il est en arrière du plan, donc ça va me faire la réécrire la molécule, ça veut dire que ça ressemble à ça. Le NH2 est comme ceci. Et le système est comme ça. Donc on considère que le NH2, il est le premier groupe parce que dans les autres cas, il voit un oxygène, un hydrogène ou des carbones. Alors, règle CIP, OK. Règle CIP, on classe par Z. On Pardon. classe par Z. Donc, en fait, sur notre carbone asymétrique, là, le carbone asymétrique est ici. On regarde qu'est-ce qu'il a comme groupement. Il a quatre groupements.
Okay. Le premier, enfin, il a un azote, un carbone, un hydrogène. Donc, le premier, c'est sûr, c'est l'azote parce que c'est plus loin dans le tableau périodique des éléments que le carbone. Donc, premier, c'est azote. Ensuite, on a carbone, carbone et hydrogène. Le quatrième, c'est l'hydrogène. OK ? Donc, on se souvient bien de ça. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, comme les deux sont des carbones, bah, il faut aller un peu plus loin. Et le plus loin, c'est de regarder à quoi sont connectés. Celui-là est connecté à trois oxygènes. Celui-là est connecté à un autre carbone. Donc, il est deux. Celui-là est trois. OK ? Excusez-moi, j'en profitais pour prendre un petit coup à boire. Alors, on va faire un petit peu de Fischer là-dessus. Je ne crois pas qu'on nous le demandait en Fischer ou pas. Non, je ne sais plus ce qu'on demandait derrière. On oui, vient. Il demande de faire un Fischer après. Ah ouais, on va faire un Fischer. Alors, on va faire un Fischer. Hop là. Alors, vous allez voir, je vais tricher un peu. Je vais tricher un peu en faisant ça. Voilà, je vais le déplacer ici. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que pour faire Fischer, on fonctionne toujours de la même façon. Vous allez dans un premier temps, on va faire un trait tout droit, toc, 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 comme ça, qui va représenter en fait les atomes de Fischer avec la fonction la plus oxydée toujours au-dessus. Dans les acides aminés, la fonction la plus oxydée, c'est le COOH. Fonction la plus... Avant, il faut faire l'énantiomère. Ah ouais, il fallait faire l'autre énantiomère. Ouais. C'est vrai ? Il faudrait que je regarde l'énoncé quand même. Ça serait pas de mal. De temps en temps. De temps en temps, ouais. C'est vrai, il disait faire l'autre énantiomère ? Oui, représenter l'asparagine naturelle en complétant la représentation ci-dessous, dessiner son énantiomère. Mais c'est juste faire l'image miroir. D'accord, ouais, ouais, ouais. L'image miroir. Faire l'image miroir. Et ben, je vais faire ça sur... où est-ce que je suis en train de chercher de la place sur mon tableau. Ben, c'est pas grave. Je vais prendre une autre page. D'accord. On va faire ça comme ça. On va copier ça. Je sais pas si ça marche. Copier comme ça sur une autre page. Ça a l'air d'être vachement puissant, mais ah ben si ça marche. Hop là. Alors, vous allez voir, on va faire l'image miroir de façon très intelligente. On va dire que ça, c'est notre miroir, mon petit trait que j'avais fait. Hop, 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 hop. Allez, hop, et on va dire que ça, c'est mon miroir. Okay. Alors, si je fais l'image miroir, eh bien, je trouve H2N, le CO qui est comme ceci, comme ça, le NH2 qui est comme ça. Le COOH. Et vous avez vu, hein, je ne suis pas très balèze à dessiner sur une table sur une tablette graphique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, on va faire Fischer. Donc, pour faire Fischer, ici, on a l'avantage, c'est que la chaîne est bien représentée pour faire Fischer. OK ? Quelquefois, la chaîne ne sera pas très bien représentée. Dans ces cas-là, on fera Fischer, on sera obligé de tourner une molécule, de tourner une liaison de façon à faire Fischer. Mais là, la chaîne est bien présentée pour faire Fischer. Donc, quand on fait Fischer, il faut qu'on représente donc, la chaîne la plus oxydée. Monsieur ? Oui ? Dans son enantiomère, NH2 ne devrait pas être en arrière. Non. Non, si parce que si. Miroir. Ben justement, vous regardez. En fait, ici, j'ai le COH qui est à droite. Et c'est comme ça. Au contraire. Ah, c'est... d'accord. D'accord. Je vois. Oui. Ouais, faites gaffe à ça. Parce que où ce qui est trompeur sur l'asparagine, pour tout vous dire, c'est qu'en fait, si vous avez un petit peu l'habitude des acides aminés, en fait, c'est une fonction amide. Et justement, on a souvent envie de voir celui-là comme étant la tête. Mais ça, ce n'est pas la tête, c'est la queue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Sur l'asparagine, cette partie amide-là, c'est la chaîne latérale de l'acide aminé. Monsieur, du coup, oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle la molécule énantiomère ? C'est la R-asparagine, du coup ou... Ouais. C'est la R-asparagine. Ah, mince.
c'était la R-asparagine. Donc là, si on fait l'RXCIP, on devrait trouver R au niveau du NH2. Ben, on va le faire. Je sens que vous avez envie de le faire. On va le faire. Alors ici, on a le carbone asymétrique qui est ici. OK, ça c'est bon. On a ici cet azote qui est 1. D'accord. Ici, on a un carbone. Ici, on a un autre carbone. Et en arrière du plan, on a le 4. Pardon. On a l'hydrogène. On a l'hydrogène qui est 4. D'accord. Donc, je vous ai dit, on a carbone et carbone. Donc, ce carbone-là est en 2. Ce carbone-là est en 3. Bon, je vais un petit peu plus doucement. Azote devant le carbone, c'est normal. C'est plus loin dans le tableau périodique des éléments. Carbone, carbone. Ce carbone est lié à 3 oxygènes, ce carbone est lié à un autre carbone, donc c'est celui-là qui arrive en deuxième. On tourne comme ceci, et là, magie, il est effectivement R. Ah. Alors, les R et les S, ça fonctionne bien. Hein. C'est le gros avantage. Vous allez voir là-dedans, même mon histoire de Fischer, enfin mon histoire, même Fischer, ça fonctionne plutôt pas mal dans ces cas-là. Ok ? Déplacer ça. Alors justement, on va faire Fischer. Alors je vous ai expliqué sur Fischer. Donc on trace d'abord une droite. Ensuite, on place un carbone pour la partie. C'est pas la bonne couleur. Hop là. Un carbone pour le premier carbone asymétrique. Hop là, qui est là. Ici. Et ensuite, ici, on a un CH2. Donc là, il n'y a que des hydrogènes, il n'y a pas de Fischer derrière. Donc en fait, notre chaîne latérale, elle est ici, CH2, ONH2. La fonction la plus oxydée, c'est la fonction COOH. Ce sera toujours pareil dans les acides aminés. OK, toujours pareil dans les acides aminés. On va le faire pour cet énantiomère là et pour l'autre énantiomère de l'autre côté. Alors, comment on fait? Quand on a une chaîne carbonée comme ça, le plus simple, c'est d'imaginer qu'on a un petit bonhomme. Donc là tout l'intérêt de mettre des cheveux, là, tout l'intérêt d'avoir une tablette graphique ici. Là j'aurais galéré hein, quand même avec mon logiciel. Donc, il regarde, c'est le plus important. Donc, lui, il regarde la fonction la plus oxydée. Voilà. Et il a une main gauche et il a une main droite. D'accord ? On prend le petit bonhomme qui correspond au carbone qui va vers le haut. Ça pointe vers le haut, on regarde sur le petit bonhomme du haut. Si on avait besoin de regarder ici, on regarderait sur le petit bonhomme du bas. D'accord ? Donc ici, le NH2, vous pouvez indiquer l'hydrogène qui est derrière. Le NH2, on voit qu'il est sur sa main gauche. OK ? C'est bon ? Donc du coup, on le positionne comme ceci. Et le H est là. OK ? Sur l'autre système, donc vous avez mon petit bonhomme qui est comme ça. Si vous regardez là-dessus, il regarde le carbone donc qui monte vers le haut, donc on le regarde bien là-dessus. Il regarde bien la fonction la plus oxydée qui est là. Et là, du coup, le NH2 est en avant du plan. Elle correspond à sa main droite, donc ici. Et l'hydrogène est plutôt sur la main gauche. OK ? Est-ce que ça va ? Le petit bonhomme doit toujours regarder la molécule ? Alors, le petit bonhomme, il doit regarder la molécule, ouais, et la fonction oxydée. Et la chaîne, elle doit toujours être en zigzag. Toujours. Alors, je l'ai fait en cours, vous pouvez... Non, mais je dis pas ça, vous avez le droit de poser des questions, hein, vous inquiétez pas, mais si vous avez... Si la fonction oxydée est là, hein, faut que le petit bonhomme, faut que la tête soit là. Si la fonction oxydée est là, faut que la tête soit là. D'accord ? Oui, non, ça j'ai compris dans le cours et tout. C'est juste, on doit le mettre au-dessus ou en dessous, le petit bonhomme, où ça marche. Tous les deux marchent. Les deux ne marchent pas. Alors, je vous explique. Attendez. On va faire une petite page. Toc.
Oui, je vois ce que tu veux dire, Lucas, parce que sur le cours, il était représenté en bas, et moi aussi, je n'avais pas compris du coup pourquoi Non, mais je vous la main explique. gauche était. Alors, sur le cours, il y a plusieurs exemples. Mais bon, on va prendre cet exemple-là. Hop. Vous prendre un sucre, d'accord? CHO. On va le faire OH. 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 Oui, c'est celui de. C'est ce, l'exemple du cours. Ah bon? Ah non, je le fais au pif. Hein, donc, Ah, d'accord. Non, à la fin, il y a un CH2OH. À la Ah, fin. Je vous en mets un autre. Hop là, OH. Et puis ici, à la fin, CH2O. OK? Alors, je ne sais pas ce que c'est comme sucre, hein, je l'ai fait au pire. Je sélectionne ça, tac, tac, c'est juste pour le déplacer. Je ne vais pas y arriver. Je sélectionne ça, mais sans prendre. Alors voilà, on repère dans un premier temps la fonction la plus oxydée. Elle est là. OK. On repère ensuite le zigzag. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment important, le zigzag. OK. Ensuite, on dessine un bonhomme qui regarde en haut, comme ça. Main gauche, main droite. Si vous pouvez écrire main droite, si vous voulez, petit gauche. Et on en dessine un aussi en bas. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Ici, là, c'est la main droite. La main gauche. OK. Quand le carbone pointe vers le bas, on regarde par le bonhomme du bas. Quand le carbone regarde vers le haut, ici, on regarde avec le bonhomme du haut. Alors, je vais déplacer ici, hop là, pour faire ma droite de Fischer. Top, comme ça. Ensuite, on a donc la fonction oxydée CHO. Ça, c'est obligé de faire Fischer comme ça. Okay. On a ce carbone-là qui est asymétrique. Celui-là et celui-là qui est asymétrique. Donc 1, 2, 3, 4. On va avoir 4 traits à notre échelle. On finit en CH2OH. Le carbone là, il pointe vers le bas, donc il faut regarder avec le bonhomme du bas. OK. On regarde avec le bonhomme du bas, le OH, il est situé sur sa main gauche. Donc OH. H. Ce carbone-là, on regarde, il pointe vers le haut. Donc, on regarde avec le bonhomme du haut. Le OH, il pointe sur sa main droite. Donc, le OH est à droite, comme ça. Celui-là, il pointe vers le bas. Donc, on le regarde avec le bonhomme du bas. Et là, ce coup-ci, la main pointe vers la droite. Et enfin, celui-là, il pointe vers le haut. Donc, on le regarde avec le bonhomme du haut. Et là, la pointe sur la main droite. Ok. Et là, pour les sucres, on regarde le dernier carbone ici, c'est-à-dire celui-là. Il est situé à gauche. Le dernier OH est à gauche. On est en série L. Ok. Et pour venir à notre exemple précédent, cette fois-ci, sur l'exemple précédent, on regarde quand c'est un acide aminé le premier carbone. OK. Donc, ce carbone-là. Ici, le NH2 est à gauche, il est en série L. Ici, le NH2 est à droite, il est en série D. OK. Alors, les acides aminés naturels, ils sont toujours, toujours L. D'accord. Et ils sont quasiment tous S. Il y a juste une blague, c'est pour la cystéine, parce que la cystéine, en fait, il y a un soufre, et le soufre, il est plus loin dans les éléments, et donc il change un petit peu le... Il change non pas la configuration, non pas comment le carbone est orienté, mais du fait que le soufre est plus loin, et ben, du coup, ça inverse l'ordre des priorités. Mais sinon, ils sont tous sont S, et de toute façon, tous les acides aminés naturels sont L. OK?
Un type d'indication. Ouais. J'ai une question juste. Tout à l'heure, vous aviez dit que c'était pareil pour tous les acides aminés dans Fischer. Du coup, ça veut dire que tout le temps, on va avoir en haut et un COH et en bas un CH2CONH2. Non. Alors, en bas, vous n'aurez pas toujours ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne latérale des acides aminés. D'accord ? Ça, c'est la chaîne latérale. La chaîne latérale des acides aminés, il y en a 20 différents. Ok ? Si vous aviez qu'un CH3, par exemple, c'est l'aniline. Si vous aviez qu'un hydrogène, c'est la glycine. Dans ces cas-là, votre carbone n'est pas chiral, parce que du coup, c'est un CH2. Si vous avez un CH2 ici, un soufre, c'est la cystéine. D'accord ? Donc, ce qui va changer, en fait, c'est cette partie-là. Ce qui peut changer également, c'est qu'il y a un acide aminé, comme la tréonine, qui lui a ici un OH et un OCH3, si bien qu'il a deux carbones chiraux. C'est l'exemple qui a été pris en cours sur les diastéroisomères, sur la tréonine. D'accord ? Et donc, coup, ça veut dire pardon ? Que à chaque fois, on a juste une croix avec un H2N et un H d'un côté. On ne peut pas avoir plusieurs traits comme pour les sucres. Si, pour la tréonine. Ah d'accord. Okay. Pour la tréonine, puisque la tréonine a deux carbones asymétriques. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un autre. Je ne sais pas si l'isoleucine n'a pas deux carbones asymétriques aussi. Mais on a autant de traits que de carbones asymétriques. D'accord ? Ok, compris. Merci. Non, je vous en prie. Est-ce que ça va ? D'abord, est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense. Donc, on n'oublie pas, quand on a le truc à gauche, c'est la série L. Ok ? Ça, c'est le truc à gauche. Ça va, tout ça ? Ça vient de quel mot ? Ça vient surtout... Je sais rien, mais ça n'a rien à voir, ça a rien à voir avec l'évogyre et l'extrogyre. Oui, non, d'accord. Je ne pensais pas ça. Non, mais voilà, je vous ai mis l'erreur dans la tête, alors du coup, j'en suis désolé. Non, mais si je dis ça, c'est parce que ce qui est terrible, c'est qu'on voit même des personnes qui font des cours sur Internet qui pensent que c'est la même chose, l'évogyre et l'extrogyre et L et B. Ça n'a rien à voir, d'accord. Ça n'a vraiment rien à voir. Ok ? C'est bon, ça ? Bon. Ok. Ouais. Alors, on y va. Donc, ça, c'était un petit rappel sur Fischer. Je vais reprendre donc l'énoncé. Alors, il fallait représenter les molécules. À quelle série D ou L, je ne vois plus le truc, la S asparagine. Donc, ah oui, je fais des dessins en même temps. Ça, c'est pas top. Voilà. À quelle série LD ou L, la S asparagine appartient-elle ? Donc, c'est la série L. Sachez, ouais, c'est ce que je vous disais, les acides aminés non naturels qui sont D, ça pose des vrais problèmes de santé publique. Par exemple, le staphylocoque doré, il est résistant aux antibiotiques parce qu'il a deux acides aminés de l'alanine qui sont D. Et c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu par tout ce qui va être bêta-lactamase, etc. D'accord ? Donc, c'est vraiment un vrai problème. Normalement, le acide aminé naturel, c'est L, et dans le vivant, vous ne trouverez que du L. Quoi. OK ? Alors, la dernière question, c'était le plus acétate d'octroi-il qui est le consistant principal de l'essence de menthe, OK, naturel, tandis que son énantiomère, le moins acétate d'octroi-il, est le constituant naturel de l'essence de lavande. Alors, que signifient les signes plus et moins ? Et ces informations sont-elles suffisantes pour représenter chacun des énantiomères ? Et on vous met ici la formule qui correspond. OK ? Alors, vous avez l'énoncé. Moi, je vais venir ici pour faire un truc. Et on va sur la question. Alors, la question 4. Donc, à quoi correspond le plus ? Le plus, ça correspond à la déviation de la lumière polarisée.
C'est ça que ça signifie, la déviation de la lumière polarisée. Le plus, c'est arbitrairement vers la droite. Mais la déviation, hein, vers la droite. OK. Ça veut donc dire que la substance est d'exogir. OK. Le moins, ça veut dire que la déviation se fait vers la gauche. Et donc, que la substance, elle est l'évogir. OK. Maintenant... Bonjour. Pardon, j'ai une question rapide au niveau de ça. Ouais. Dans le cours, c'était écrit que ce qui était en série D et en série L sont différents de dextrogir et l'évrogir. Ouais. Mais j'ai pas compris quand on me dit que c'est en série D ou L. Ça signifie quoi? Parce que je sais que dextrogir et l'évrogir, c'est dans quelle direction la lumière est orientée, mais les autres séries D et L signifient quoi techniquement? Techniquement, c'est de la nomenclature, comme R et S. Ah, d'accord. Okay. C'est de la nomenclature pure. Ça n'a pas d'application. Ça n'a rien à voir avec l'optique. Ça n'a vraiment rien à voir avec. De la même façon, là, on va conclure là-dessus. Vous allez voir, ça va se conclure un petit peu bizarrement. Sachant que la substance est d'extrogir ou l'évogir, vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire, on ne peut pas construire la molécule. D'accord ? On a... Ouais, je l'écris en rouge. Alors, nous n'avons aucune information structurale pour construire la ou les molécules. C'était pour bien signifier la différence entre les molécules d'extrogir et L et D. Voilà, c'est ça. Là, ici, on sait ce qu'est un dextrogir et un lévogir. Ce qu'on sait, c'est que dans une substance, vous avez on a deux fioles, si vous voulez. On a deux fioles, une fiole qui dévie vers la droite, une fiole qui dévie vers la gauche. Ça veut dire qu'ils sont énantiomères, d'accord ? Mais vous ne savez pas qui est qui. Et vous ne pouvez pas dessiner qui est qui, d'accord ? Moi, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, sachant ce que c'est, vous ouvrez le flacon et vous sentez voir si ça sent la lavande ou si ça sent la menthe. Quoi. Okay. Okay, c'est que comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Donc là, l'idée, Monsieur, c'est vraiment... Oui ? J'ai une question sur comment... Je n'ai pas très bien compris comment on construisait sous forme de Fischer un sucre en cycle. Un sucre en cycle, on ne fait pas Fischer. Voilà. Je ne sais plus c'était laquelle. Ah oui, on ne fait pas ? Non, on ne fait pas. En fait, alors attendez, je vais essayer de me placer là. Je vais essayer de faire un truc. Hop là, ici, je reviens sur Fischer. Ouais, non, je ne vais pas vous faire ça parce que là, c'est… en fait, ce qu'il faudrait faire… il est où mon Fischer ? Je n'avais pas fait un rappel sur Fischer ? Il est où mon rappel sur Fischer ? C'est page 3, non ? Bah ouais, mais ce n'est pas ça. Là. J'espère que je n'ai pas effacé. Ah non, il est là. Il est là, il est là. J'ai eu peur. Non, je maîtrise pas tout, hein, les amis. Non, quand vous avez un cycle, en fait, si vous avez un cycle comme ça, bon courage. En fait, il faut le remettre en linéaire pour réussir à le transformer en cycle. Hein. D'accord ? Donc, il faut ouvrir, faire la chaîne et après faire Fischer. Ça, okay. Avec ça, pas possible de faire Fischer. Et monsieur, est-ce que quand on a des conformations d'extrogir et l'évogir, ça veut dire que forcément les énantiomères qui correspondent, ils seront. Enfin, est-ce qu'ils peuvent être des énantiomères R ou S qu'on a vu au départ avec. Au début, on peut faire des dextrogires, etc. Ou c'est que dans le cas L et D ? Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, juste histoire de vous reprendre,
c'est pas de la conformation, c'est de la configuration. La conformation, on peut passer de l'un à l'autre, on peut tourner de l'un à l'autre. D'accord ? Donc, c'est vraiment pas de la conformation. Tout ça, c'est de la nomenclature. Les nomenclatures R ou S, comme c'est associé à la chimie, je vous dis, ça peut se faire sur toutes les molécules possibles et imaginables. D'accord ? Et donc, les sucres, s'amuser à le faire, hein, d'ailleurs. Donc, on va rester du temps là-dessus, mais ce n'est pas grave. Ici, on peut s'amuser à faire tous les RS sur cette molécule-là. Ici, on a un carbone asymétrique, le H est derrière. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est carbone lié à un oxygène. Ici, carbone lié à deux oxygènes. Le deuxième est ici. Le troisième est ici. Hop, celui-là, il est S. D'accord ? On fait celui-là. Celui-là, l'hydrogène est derrière. On est dans le sens direct. Ici, on est 1. Alors ensuite, on compare carbone-carbone. Le quatrième est en arrière du plan. D'ailleurs, la couleur, ça sera plus... Donc celui-là, il est 1. Donc ensuite, il faut comparer carbone et carbone. Ce carbone est lié à un oxygène. Ce carbone est lié à un oxygène. Donc, c'est la même chose. On va sur le carbone qui suit. Donc, on arrive ici et ici. Ce carbone est lié à un oxygène. Ce carbone est lié à deux oxygènes. C'est celui-là qui passe en deuxième. Voilà, et donc celui-là passe en troisième. On est dans le sens direct de lecture. Hop, celui-là, il est R. Okay. Maintenant, ici, on a l'hydrogène qui est devant. Donc, on est en sens indirect de lecture parce que l'hydrogène est le quatrième groupement. On va rechanger de couleur. Je vais passer en rouge. Donc, ici, M. Ici, le premier, c'est le OH, toujours. Ici, on a un carbone. Un carbone, donc c'est pareil. Ce carbone est lié à un oxygène et un autre carbone. Ce carbone est lié à un oxygène et un autre carbone. Donc, c'est pareil. Donc, on va aller regarder à ce carbone qui est là, ici et ici. Ce carbone est lié à un oxygène et un autre carbone. Ce carbone est lié à un oxygène et c'est tout. Donc, celui-là qui passe en 2 et celui-là qui passe en 3. On tourne comme ceci, c'est-à-dire on tourne comme pour faire un S. Et ce n'est pas un S, puisque l'hydrogène est devant, c'est un R. D'accord ? Et j'ai une couleur jaune. Hop là, on peut faire le dernier. Il est 1, celui-là. Le deuxième, carbone OH. Carbone OH, vous voyez bien que celui-là, il a de la suite. Donc, ça va être celui-là qui est en deuxième, celui-là qui est en troisième. Ah, j'ai bugué un peu. Voilà. Et ici, l'hydrogène est devant. On n'est pas dans le sens normal de lecture. On tourne comme pour faire un R, mais ce n'est pas un R, c'est un S. Donc en fait, ici, ce carbone-là, ici, il est S, celui-là, il est R, celui-là, il doit être R, et celui-là, il est S. Et c'est là où vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Vous pourriez dire, ah ben, S, c'est toujours à gauche, et R, c'est toujours à droite. Ah merde, ça marche. Bon. Ça ne marchera pas toujours. Mais bon, ça pour vous dire que LED sur les sucres, d'abord, sur les sucres, ça ne vous donne pas tellement d'informations. Pourquoi ça ne vous donne pas tellement d'informations ? Parce que ça vous donne l'information sur le dernier sucre. Mais après, pour savoir où sont placés les OH hein, sur les sucres, il n'y a pas 36 solutions, il faut les connaître par cœur. C'est-à-dire connaître le lactose, le fructose, le galactose, etc. etc. Bon, ça, je ne vais pas vous faire peur. Je pense que ça s'adresse quand même à une population de biologistes qui s'intéresse à la chimie des sucres. C'est pas, vous n'aurez pas à apprendre tout ça par cœur du jour au lendemain. Et il faut les connaître. Pour ceux qui s'intéressent, vous êtes obligé de les apprendre parce que comme ça, ça s'apprend pas. Quoi. Ok ? Est-ce que ça va ? Oui. C'est bon ? Bon. Alors, vous savez quoi ? Cet exercice-là, je vais essayer. Alors, je vais aller ici dans Documents. Hop là. Alors, attendez, je vais prendre la souris. On va l'appeler L1 SDV. On est dans quel chapitre ? Le 4. Le 4, ouais. Et c'est l'exo 5. 5. Question 4. Exo 5. 4 et 5, hein, quand même. Ah, 3 et 4, oui, pardon. Question 3 et 4. 3 et 4.
Ouais, ou je mets exo 5. 5. 3. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. Bref, ici, je vais faire. J'ai ce truc-là qui m'embête. Porter au format PDF. Pof, paf, paf, sur bureau. Ah. Cool. C'est bon? Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut et on va passer à un nouveau document. Nouveau document. Voilà. On passe à l'exercice 5, 6. Ouais. Ok. Alors, je vous mets l'énoncé. J'ai besoin juste de faire un copier-coller. Celui-là, il va être facile à faire. Sur l'exercice 6. Ah, il y a l'exercice 7. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours oublié cet exercice 7. Pas grave. Alors, sur l'exercice 6, vous voyez, donc il faut indiquer au sein des couples de molécules si les composés sont identiques, conformaires, diastéroisomères ou énantiomères. D'accord ? Alors, on vous donne la première, le premier couple, c'est celui-là, hein, 1A et 1B. OK ? Donc, je vais... Alors, on va essayer de dessiner. Je vais être obligé de redessiner mes trucs, là. Alors... C'est identique, non ? Oui, c'est identique. Bravo. Bon, ben, j'ai pas besoin de continuer. Non, non, non. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, c'est bien. C'est identique. Hop. Avec les traits, c'est quand même plus joli. En tout cas, c'est plus droit. Là, on rigole parce que faire un rond, j'aurais pu faire pire. J'aurais pu faire pire. Et donc, derrière, on a un comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Et je vais faire maintenant, c'est un copier-coller pour faire l'autre à côté. Voilà. Alors, on a ici, on a sur le carbone qui est devant un éthyle, un autre éthyle. On a un OH ici, un OH ici, et hydrogène là, et là, et de l'autre côté, on a l'OH, ici l'OH. Derrière ici, on a l'éthyle. Ici, on doit avoir l'hydrogène. Et là, on a l'hydrogène et le OH ici. OK ? Alors, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce les mêmes molécules ? Il peut y avoir des blagues. Et est-ce les mêmes molécules? La première question à se poser. D'accord? Bon, là, on ne vous a pas fait de blague quand même. C'est-à-dire. Hein? Quelle blague? Mêmes. Ouais. On n'a pas la même notion des blagues, c'est ça que vous voulez me dire? Non, je crois avoir raté un truc. Non, je vous en prie. Alors, je réexplique. La question qu'il y a à se poser, c'est est-ce que les deux molécules là, est-ce que c'est les mêmes molécules? En l'occurrence, j'ai fait une connerie, là je suis en train de voir que j'ai fait une bêtise, parce qu'ici je vous ai mis un OH, et en fait c'est pas un OH, c'est un éthyle. Et voilà. Donc vous voyez, dans la série blague, j'y suis pas mal. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'était vraiment pas du tout les mêmes molécules. D'accord? Donc là, oui, c'est les mêmes molécules. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, les mêmes molécules, maintenant, c'est est-ce la même conformation ? La même conformation. Alors, comment on va faire pour regarder ça ? Alors, sachant que quand on a Newman, a priori, c'est pour représenter des conformations. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on essaye de repérer pour chaque carbone où sont les groupements. Donc, sur la molécule de gauche, vous avez les deux groupements éthyles en anti. OK. Ensuite, on peut regarder les deux groupements OH. Ils sont en quoi, du coup?
quantique, on le sait comme ça, c'est quoi? Ils sont trans. Non, c'est pas trans. Non, non, c'est pas ça. Ça me permet de boire un coup, en fait. Hein. C'est... Ils sont en gauche? En gauche, voilà. En gauche. C'est classique chez les OH. Vous savez, il y a souvent des histoires de liaison hydrogène. Et on a vu ça. D'accord? Donc, c'est une histoire de liaison hydrogène qu'on a entre OH ici. Et puis, bah, les deux autres hydrogènes, là, qui sont là, ils sont en gauche aussi. On est d'accord? Ici, on a deux conformations qui sont décalées. OK? J'écris ici deux conformations décalées. Bon, on va faire la même chose pour l'autre molécule. Donc, on va regarder ici, on a les deux éthyles qui sont en anti. Monsieur, les deux éthyles, ils ne sont pas en trans? Alors, anti et trans, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Je vous le mets trans, mais normalement, on dit anti maintenant. Mais il reste encore des vieux profs qui disent trans, si c'est trans. Mais voilà, vous pourriez garder plutôt la terminaison anti, histoire d'être dans ce millénaire, s'il vous plaît. Non, non, mais il n'y a pas de blague. De préférence, vaut mieux dire anti. Les deux OH. Oh non. Là, les deux OH. J'essaye de bien dessiner, c'est pas évident. Les deux OH sont en gauche. OK. Et les deux hydrogènes sont en gauche. OK. Vous avez l'ensemble des choses. Si on regarde là, les deux conformations sont identiques. Parce que tous les groupements sont mis l'un à côté de l'autre. Donc, les deux conformations, les deux conformaires sont identiques. Donc, les deux molécules, c'est ça qu'on vous demandait, si les molécules étaient identiques. Hein? Je ne sais plus ce qu'on vous demandait. Ah oui. Non, mais c'est identique. Donc, deux composés identiques. Les deux conformaires sont identiques. En fait, si vous voulez bien regarder, si vous regardez un petit peu, le OH qui est derrière, là, dans l'autre, enfin, si vous prenez la molécule de droite, si vous faites une rotation globale de la molécule, vous faites une rotation globale, je suis embêté avec cette fenêtre en fait, moi qui est là, de la molécule. Elle doit s'appeler 1B à 120 degrés vers la droite. Eh bien, on retrouve la molécule 1A. Allez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec ça? C'est bon ou pas? Oui. Ouais. Mm-hmm. Donc, en fait, on fait une rotation, je ne sais pas si vous voyez avec mes mains, on fait une rotation globale de la molécule de droite et vous retombez tout de suite sur la molécule de gauche. Donc, c'est bien deux molécules identiques. OK? Ça, c'était la première question. On va passer maintenant à l'autre question. Donc, l'autre question, c'était quoi? C'était Fischer. Si on avait un Fischer, c'est ça? Ah oui, c'est ça. On avait un Fischer, deux Fischer, l'un en face de l'autre. Alors, ils sont images dans le miroir. Voilà, ils sont images dans le miroir. Et alors là, si on peut dire qu'il y a un truc qui est simple avec Fischer. Énantiomère. Voilà, ça c'est très simple. À partir du moment où ils sont images dans un miroir, ils sont énantiomères. Je sais que je suis un petit peu lent du coup avec mes trucs, mais hop. Et il y a deux carbones asymétriques, hein, c'est ça. Et le pire, c'est que je prends du quadrillage. Hein. Ouais. C'est un peu la peine hein, ce que je fais. Hop, hop, hop. Et encore avec ça, on va y arriver.
Alors, on y va. Donc ici, c'est CHO, c'est ça. CHO, CHO. Ici, c'est l'hydrogène, NOH. Et de l'autre côté, c'est H, OH. Et de l'autre côté, c'est OH. Et OH, H. Et en dessous, c'est quoi? C'est CH2OH. Je ne sais pas ce que c'est comme sucre. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder. Mais ils sont bien image l'un de l'autre dans un miroir. Image l'un de l'autre dans un miroir. Dans un miroir. Miroir. Ils sont donc énantiomères. OK. Ce sont des énantiomères. Hop là. Alors on s'amuse un petit peu, on essaye de les dessiner, ces deux-là. Alors pour les dessiner, ce n'est pas très difficile. Il faut faire CHO, on va dessiner le CHO comme ça, on va descendre comme ça et comme ça. Alors il y a un carbone asymétrique, un deuxième carbone asymétrique, après c'est un CH2OH. Je vais dessiner celui-là, hein. D'accord. Il s'appelle comment? 2A, c'est ça? Non, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. 2A. 2A. Du coup, ici, je regarde, on a un carbone asymétrique qui est ici, qui est là, et un deuxième, celui-là, ensuite, qui est ici. Celui-là, je regarde avec le petit bonhomme de droite. J'insiste avec mes petits bonhommes. mais c'est un petit peu lourdingue. Et donc, celui-là, eh bien, on le regarde par le bas sur la main droite. Donc, du coup, je vais le retrouver avec un OH en arrière du plan. Celui-là, je vais le regarder avec le bonhomme du haut. Il est sur ma main gauche. Ma main gauche, c'est en arrière du plan aussi. Normalement. OK ? Donc, voilà comment on passe de l'un à l'autre. Alors, après, juste comme ça, parce qu'on peut trouver sur des blagueurs qui vous feraient des trucs comme ça. CHO par exemple, O, si on fait un truc comme ça, là pour faire Fischer on est assez embêté parce que en fait il faudrait retourner la molécule, et sachez que quand on tourne comme ça vous allez retrouver cette molécule là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour faire Fischer comme je le fais, il faut mettre les molécules en zigzag. Donc, si on est obligé de le faire comme ça, on est obligé de le mettre en zigzag comme ça. D'accord? Et entre parenthèses, je me suis planté. Ce n'est pas le bon truc. Comment ça marche? Faire des bêtises. En l'occurrence, ici, il est en avant du plan pour que ça soit. Monsieur? Ouais. Je suis désolée, mais j'ai essayé de faire du coup les petits bonhommes en bas et tout pour refaire la molécule. Ouais. Moi, j'ai trouvé totalement l'inverse. Du coup, j'ai trouvé les OH en avant du plan en dessinant le bonhomme avec la tête vers le CHO. Et du coup, ça m'a, pour, par exemple, le premier carbone le plus proche du groupe oxydé, le plus oxydé, pardon. La main gauche, elle était du coup vers de sorte alors, que le OH il soit en avant du... Enfin, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Alors, ici, moi, je peux vous trouver de l'autre côté. Est-ce que vous aviez mis, par exemple, la fonction c'est comme ça, par hasard, à gauche? Non. Mais est-ce que vous avez fait le B ou le A? Vous avez fait le A, on est d'accord? Ouais, j'ai fait le A, ouais. Ouais, j'ai mis à droite la CHO. J'ai mis à droite le CHO. Ben après, le petit bonhomme, il faut que je regarde avec celui du bas parce que le carbone, il pointe vers le bas. Mmh. D'accord. Du coup, le H, il est sur sa main gauche. Du non. Coup, l'hydrogène, il est sur sa main gauche. Ouais, non, mais je vais vous avouer, je suis un peu nul avec ma main gauche et ma main droite. Mais bon, normalement, ça doit marcher. Donc là, non, je ne pense pas m'être planté. Là, vous avez l'hydrogène qui est sur votre main gauche et le OH
doit être sur votre main droite. Et c'est comme ça. Mais sauf que sur la... La main. Ah oui, ok, j'ai commencé. Ok, c'est bon. Pour regarder avec moi, le petit bonhomme du bas. Hein. Quand, c'est, coup, quand le carbone il pointe vers le bas, on regarde avec le petit bonhomme du bas. Quand le carbone il, regarde, quand le carbone, il pointe vers le haut, il faut regarder avec le petit bonhomme du haut. Mais oui, du coup, mais... si on se fie à sa main droite, si le H il est sur sa main droite, il est censé être à l'arrière du plan. Pas forcément, ça dépend. Ça dépend si vous avez mis la fonction CHO, la fonction aldéhyde à gauche, ou si vous avez mis la fonction aldéhyde à droite. Là maintenant, je trouve aussi que le OH il devrait être en avant. Puisque si puisque sur le Fischer, il est sur le... Non, sur pardon. Non, moi, c'est bon. Moi, j'ai compris. C'est bon. Ça, ouais. Sur la conformation Fischer, sur la représentation Fischer, ouais. C'est sur le côté gauche. Ou sur le côté droit. C'est sur le côté droit, là, maintenant. En fait, le OH à droite, c'est sur la main droite, le bonhomme. Aussi. Donc, aussi, c'est bon, il est bien en arrière du plan et le H est en avant. C'est bon, ça a cliqué aussi. Ouais. C'est piégeux ces trucs-là, hein, parce que c'est pas forcément compliqué, mais c'est assez piégeux quand même. C'est assez piégeux. Et ce que je vous ai dit, quand on a un système comme ça, c'est assez compliqué, mais ça, il faut tourner la molécule de façon à refaire les choses correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est assez compliqué. Après, en l'occurrence ici, je suis encore en train de me planter. Parce que moi j'ai du mal à faire ça. Après, vous pouvez aussi utiliser directement Fischer, par exemple, quand on a un truc comme ça, vous pouvez aussi directement utiliser Fischer dans le sens normal de Fischer, c'est-à-dire Fischer, normalement, vous devez avoir la chaîne carbonée la plus longue comme ça, et vous devez avoir les groupements, c'est ce qu'on a vu sur la première définition de Fischer, les groupements en avant et la chaîne carbonée qui est complètement en arrière du plan. D'accord. HO comme ça et CH2OH. OK ? Et donc, dans ces cas-là, vous voyez que ici, le OH, vous le voyez comme ça, l'hydrogène ici. Ici, le OH comme ça et l'hydrogène comme ceci. OK ? Et donc ça, bah ça, c'est celui-là, quoi. C'est pas forcément évident, hein. Mais bon, j'insisterai jamais assez sur le fait que R et OS, ça marche mieux, en fait. Et disons que c'est moins équivoque. Ça paraît plus simple, les histoires d'échelle, etc. Mais je vous assure que c'est pas si évident que ça à faire. C'est pas, en tout cas, la représentation est bien. C'est bien pour apprendre par cœur la série des sucres. Parce qu'on apprend gauche-droite, droite-gauche ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a des phrases, des choses comme ça, mais ce n'est pas toujours évident de vraiment bien se faire présenter. OK ? Bon, on va continuer. On va continuer donc sur quoi là ? Sur l'autre qu'il y avait à la fin. C'était le 3A et le 3B. Ces deux petites molécules qui sont là. Alors, l'avantage, c'est que je les ai dessinées sur une page d'à côté, donc je ne vais pas me tromper normalement. Donc on a H3CI comme cela, avec un éthyl ici. Devant vous, vous avez le OH et derrière vous, vous avez, j'ai du mal à fermer pour plier, un hydrogène. Ici enfin, vous avez en avant du plan, hydrogène. En arrière du plan, vous avez un groupement NH2. Okay. Ça, c'est de votre molécule 3A. Et la molécule 3B, alors, c'est un éthyl qui est mis ici. En dernier, ici, c'est le CH3. Donc, par rapport à l'autre, déjà, on voit qu'il y a une petite inversion. En avant du plan, on a le NH2. En arrière du plan, on a l'hydrogène. Ici, en avant du plan, on a le OH. Et en arrière du plan, on a l'hydrogène. OK ? Alors,
première chose qu'il faut voir, c'est essayer de voir est-ce que c'est les deux mêmes molécules. Hein. Alors, si vous regardez bien, on a bien éthyle, etc., etc., l'éthyle-OH, on voit qu'il y en a une espèce d'inversion entre ici le CH3, le carbone avec l'amine, le carbone ensuite avec le OH, et puis après on a deux autres carbones qui viennent de la fonction éthyle. Là, c'est représenté dans l'autre sens, mais c'est la même molécule. En tout cas, c'est un isomère de la molécule. On peut l'écrire, c'est bien deux isomères. Ouais, deux stéréoisomères, on va dire. Ça, on en est sûr. Okay. Après, c'est peut-être la même molécule. Ça, on va le voir. La question, c'est est-ce que c'est la même molécule ou est-ce que c'est deux énantiomères ou est-ce que c'est deux diastéroisomères? Okay. Alors, la première chose à regarder, on va essayer de lui donner un petit nom à cette molécule. Parce que finalement, si on note, si on fait la numérotation, ici, on va voir que le carbone, là, c'est carbone 1. Ici, c'est le carbone 2. Ici, c'est le carbone 3. Et ici, c'est 4 et 5. On est dans la série du pentane. D'accord ? Ici, on ne va pas compter à partir de l'éthyle, parce que du coup, ça mettrait l'oxygène de l'alcool, qui va être la fonction prioritaire, ça la mettrait en position 3 et l'amine en position 4. Donc ici, en fait, il faut compter dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Si on donne un petit nom à ça, c'est le 2-amino-pentane. 3. Okay. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de déterminer sur chaque carbone asymétrique, il y en a deux, un ici, il y a quatre groupements différents, et celui-là, parce qu'il y a quatre groupements différents, on va essayer de savoir bah, qui est R et qui est S. Alors, pourquoi? Parce que si, je dis n'importe quoi, mais si celui-là, il est SS, par exemple, que celui-là, il est RR, ben, ils seront bien énantiomères. D'accord? Les énantiomères, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est deux, quand ils changent, c'est deux par deux quand vous avez deux carbones asymétriques. Donc, on commence. Ici, sur ce carbone-là, on a un hydrogène, de l'azote, du carbone, du carbone. Donc, bon, déjà, l'hydrogène, il est 4. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le sens direct de lecture. OK? Alors, ensuite, azote, carbone, carbone, c'est l'azote qui est 1. Ensuite, carbone, carbone, eh bien, ce carbone, ça ne suffit pas pour les différencier, mais ce carbone est lié à un oxygène, alors que ce carbone n'est lié qu'à rien d'autre. Donc, c'est bien celui-là qui est en 2 et celui-là qui est en 3. Du coup, on tourne dans ce sens-là. On tourne comme pour faire un R, mais il n'est pas R. Indirect de lecture. Et donc, OK, carbone 2 et S. Allez, on passe à l'autre carbone, le carbone 3, qui est ici. Pareil, quatre groupements différents, de l'oxygène, de l'hydrogène, un carbone et un autre carbone. Alors, le premier, c'est celui-là, c'est le OH, c'est sûr. Le quatrième, c'est l'hydrogène. Ça tombe bien, il est en arrière du plan. Puisqu'il est en arrière du plan, eh ben, on va être dans le sens direct de lecture. Donc, on compare eh bien, entre ce carbone-là et ce carbone-là, même si on ne l'a pas écrit, ce carbone-là, il est lié à de l'azote, alors que celui-là, il est lié qu'à du carbone. Donc, c'est bien celui-là qui est en second et celui-là qui est en troisième. On tourne comme pour faire un R. D'accord ? Donc, celui-là, il est R. En résumé, sur notre molécule, c'est la 2S3R. 3R. 2 amino. Ça va être pénible à écrire, mais bon, c'est pas grave. 2 amino. On fait la molécule de droite. On commence par le carbone 2. Donc le carbone 2, il est ici maintenant, mais bon, c'est pas très grave.
L'hydrogène, l'azote est devant vous. L'hydrogène est derrière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est dans le sens direct de lecture. D'accord ? Ensuite, il faut comparer carbone et carbone ici. C'est celui-là qui est deuxième et celui-là qui est troisième. L'ordre de priorité, c'est le même hein, de la molécule de gauche ou la molécule de droite. Hein. C'est juste de voir si on tourne dans le même sens ou pas dans le même sens. Ici, on tourne comme pour faire un R. Donc, le 2, il est R. On va passer à l'autre, qui est ici, le carbone 3. Il y a toujours l'hydrogène qui est en arrière du plan. Donc là aussi, bonne nouvelle, on est dans le sens normal de lecture. Le 1, c'est l'oxygène de la fonction hydroxyle. Ensuite, on a carbone-carbone, c'est la même chose. Le carbone de gauche, il est lié à un autre carbone. Le carbone ici, il est lié à un azote. Il passe donc devant, il est deuxième. Et ici, il est troisième. Là encore, on retrouve les mêmes ordres de priorité. On peut tourner comme pour faire un R, et donc ça veut dire qu'il est 3R. Alors maintenant, la conclusion. Alors, d'après vous, quelle va être cette conclusion? On a voilà, 2S, 3R d'un côté, et 2R, 3R, ils sont de diastéro-isomère. Ok. Et donc, monsieur, si on avait eu un 2S, 3S et un 2R, 3R, ça aurait été énantiomère, c'est ça? Si c'était SS et RR, ouais, c'était énantiomère. Merci. C'était énantiomère. D'accord? Ça va, ça? Oui. Alors, oui. Ça finit l'exercice 6. Donc, on va enregistrer ça. Alors, renommé. Je le fais avec vous. Qu'est-ce que c'est celui-là? Renommé. L1 SDV. C'est pas le CHAP 44, d'ailleurs. Mais bon, bref. CHAP EXO. Hop, et on exporte ça au format PDF. Donc, vous allez ensuite avoir ça au format PDF. Hop, et bien, on continue dans le tableau, dans le nouveau document. Oui, ça doit être ça. Tableau. Alors, le dernier exercice. C'est ça que je n'ai pas dû faire en vidéo. C'est ça que je n'ai pas dû faire en vidéo, mais ce n'est pas très grave. C'est l'exercice 7. Alors, l'exercice 7, il est là. Tiens, j'aurais dû le préparer. Grave. Alors, je fais une petite capture d'écran. Vous ne devez pas voir ce que je suis en train de faire là. C'est peut-être... Non, c'est comme... Je vous vois, mais sinon... Ouais. Donc, vous voyez que je bosse quand même. Ça va. Alors, l'exercice 7, représenter le cas échéant, les isomères géométriques des composés suivants et préciser leur configuration Z ou E. Ok ? Alors, on va y aller tranquillement. Le premier, c'est ce fameux CH3C double liaison. Donc, on va l'indiquer comme ça. Vous allez voir. Ça va être très simple. CH3, CH, et ensuite COOH. D'accord ? Donc lui, allez, il n'a pas de stéréoisomère. Alors, pourquoi il n'a pas de stéréoisomère ? Enfin, surtout pas s'il n'en a pas. Il n'y a pas de carbone asymétrique. Voilà. Parce que ce carbone-là, là, celui-là, ben, il a deux CH3, c'est identique. Okay. Deux groupements identiques. Okay. Donc,
il n'y a pas de stéréoisomère. Donc là, ça va. Celui-là, bah, je vais peut-être prendre une autre page quand même. Celui-là, je vais y arriver. Hop. Page, sauf que maintenant, alors maintenant, il faut que je le repère, moi. Celui-là, c'est CH3. On va le faire en topologique. Voilà. Bah, j'essaye de m'appliquer, vous savez, mais bon, c'est pas forcément évident. Donc, je vais le faire comme ça. CH et ensuite COH2. Donc, je vais indiquer les hydrogènes. Hop là. Ou on peut faire ça. Là. Comme ici, CONH2. Un hydrogène là et un hydrogène là. Ça rend humble hein, sur ses aptitudes de dessin. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, comment on fait ça? Les Z ou E, finalement, c'est plus simple que les R ou S, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il faut noter, il faut utiliser les règles CIP. Hein, toujours pareil, les règles CIP, mais pour deux composés. C'est-à-dire, sur le carbone ici, le carbone de gauche, il faut comparer un CH3 avec un hydrogène. Donc, c'est les règles CIP, c'est-à-dire que c'est toujours le plus lourd, le plus loin dans le numéro atomique qui passe en premier. Donc, lui, il est 1 et lui, il est 2. Puis, passer de l'autre côté, et il ne faut surtout pas se mélanger ici, passer sur ce carbone-là. Il faut comparer ici le carbone avec l'hydrogène. Eh bien, ici, on va avoir le 1 et ici, on aura le 2. De la même façon, si je refais ici, vous allez avoir ici le 1 et le 2. Et de l'autre côté, vous allez avoir le CH3, 1 et 2. Alors, il y a cette fameuse nomenclature Z ou E. Quand on est du même côté, on est Z. Moi, je fais un petit peu un espèce de Z de Zorro, comme ça. Et quand on est de l'autre côté, comme ceci, hein, et ben, du coup, on est E. Donc ici, c'est le E. Et ici, c'est le Z. D'accord? Est-ce que ça va ou pas? Oui. Eh bien, c'est parfait. Je l'ai. Bon, c'est la blague. On passe au dernier truc. Ah non, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Alors ici, C6H5. On aurait dû le préparer. Pour celui d'avant, en fait, vous avez représenté les deux possibilités qu'on aurait pu faire avec cet enchaînement de... avec l'enchaînement qu'on a ou... Ouais. Les deux molécules que vous avez faites. Ouais. La différence qu'il y a à la fin, à la partie droite entre les deux. La différence. C'est juste vous avez basculé le. Ouais. La liaison. Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, bon, en fait, ce qui se passe, hein, c'est que ici, les deux hydrogènes sont différents, sont pas l'un en face de l'autre. Alors, on est dans de la stéréochimie, dans le sens où ce qui les distingue, c'est leur positionnement dans l'espace, même si on est ici avec des molécules qui sont planes. D'accord? La différence, c'est vraiment deux molécules. En l'occurrence, tiens, je vous l'écris, ce sont deux diastéroisomères. Isomères. OK. Alors, deux diastéroisomères. Pourquoi diastéroisomères? Parce qu'en fait, ils ne sont pas images dans un miroir. Ils ne sont pas images dans un miroir. Et puis, ils vont avoir des températures d'ébullition, des températures de fusion, etc., etc., qui sont vraiment différentes, contrairement aux énantiomères qui vont avoir les mêmes propriétés physiques. Ok. Alors, bon, je vais rajouter une page, et puis, j'ai du mal à gérer ça. Voilà. Et alors, le dernier. Excusez-moi, je l'éclaire avec un stylo à côté parce que je ne vais pas y arriver sinon. Pour le dernier. Le dernier, donc il y a phi, hop, hop.
Voilà. Je vais l'avoir. Parce que... Alors, le dernier, donc vous aviez un noyau aromatique, comme ceci. Voilà. Ça, c'est C6H5. Bienvenue dans le benzène. Ensuite, vous aviez un CH avec une double liaison, puis comme ceci, puis un autre CH avec une double liaison, puis comme ceci, d'accord, avec un CH3 au bout. Alors, en voilà un, mais vous pouviez en faire un autre. Je crois qu'il faut, dans l'énoncé, il faut en fait dessiner toutes les possibilités, hein, c'est ça ? Oui, ouais. Donc, en fait, ici, vous avez un alcène là et vous en avez un autre ici. Donc, en fait, vous avez la possibilité de faire celui-là. Ça va être bien galère. Hein. Ou... Vous avez la possibilité de faire... Alors, on va y arriver. Celui-là. Ici. Comme ceci et non mais ça c'est n'importe quoi comme ça et évidemment j'ai le même et puis ici comme ceci et il m'en manque un, il manque celui-là. Alors, c'est pas très malin ce que je fais, hein, parce que j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, celui-là, celui-là, hop, comme ça. A priori, je les ai tous faits. Alors, en fait, si vous avez deux configurations possibles, vous devez avoir, donc, sur le premier carbone, vous pouvez être soit Z, soit E. Premier alcène, pardon, alcène. Deuxième alcène. Donc, vous pouvez être Z, Z, vous pouvez être Z, E, vous pouvez être E, E, et vous pouvez être E, Z. OK ? Ça, c'est ce que vous aimez beaucoup, c'est ce qu'on appelle des probabilités. Ça marche pareil avec, ça marche pareil avec les comment ça s'appelle ? Pièces de monnaie ou les différentes choses ou les dés, etc. Donc, vous avez deux possibilités. Bon, vous, à la fin, vous vous retrouvez avec deux puissances le nombre de possibilités que vous avez. Bon, on essaye de faire le premier, puis vous allez voir, ça va être assez simple. Ici, on peut dans un premier temps rajouter les hydrogènes qui vous manquent. Hydrogène comme ceci. Alors ici, celui-là est 2, celui-là est 1. 2, 1. Donc, le premier alcène, ici, il est E. Okay. Celui-là, donc, il est... celui-là, il est 2. Et celui-là, il est 1. Celui-là, il est 2. Celui-là, il est 1. Celui-ci est E. D'accord ? Je prends ici... Je rajoute proprement mes hydrogènes un peu partout. Ici, 1, 2, 2, 1. Donc celui-là est Z. Et celui-là, je vais faire la couleur différente. Celui-là, ce carbone-là est 1, cet hydrogène-là est 2, l'hydrogène-là est 2, là, il est Z aussi. D'accord ? Donc, j'ai fait le ZZ, là, on vient de le faire. J'avais fait le EE ici. On va regarder celui-là. Est-ce que celui-là, est-ce que ça vous va si je vous dis que celui-là, il est Z ou vous avez besoin qu'on le refasse ? Non, ça va. Non, en fait, ce n'est pas très dur. Hein. On les reprend. Du coup... On les reprend tous, hein, mais allez, celui-là, on peut le refaire quand même pour être sûr. Donc là, il est 1, 2, 2,
1, celui-là c'est un E, donc voilà le ZE. Ok, et celui qui doit nous y avoir ici, c'est le EZ. Effectivement, ici, si vous regardez bien, c'est la même chose en fait que celui-là. D'accord, donc il est bien E. Et celui-là, eh bien, il est Z. H ici, je n'ai pas changé de couleur, j'en suis désolé. Donc ici, c'est E. Ici, c'est E. Ok. Donc celui-là, il est Z. Donc c'est bien le EZ. Est-ce que ça va ou... Il faut juste de la méthode. En fait, le plus malin à faire dans tout ça, plutôt que de les dessiner un petit peu comme ça, peut-être le plus malin, c'était d'abord d'en dessiner un, de faire les EZ, puis ensuite les modifier un par un de façon à représenter en fait ces quatre possibilités-là. Ok ? Ça, ça va. Il y a un truc qui m'a été envoyé, un de plus. Conversation. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, peut-être, c'est ça ? Ok, bah, je regarderai ça plus tard. Ok. Il restait encore une question, parce que là, je vous sens un peu défaillir. Terrible, Astéro. Hein. C'est le dernier exo, hein, quand même, hein, juste histoire de se rassurer. Alors, le dernier. Alors, c'était cette petite molécule-là. Il reste deux, si je ne me trompe pas. Pardon ? Il reste deux, si je me ouais, trompe pas. Ouais, il reste deux. Ouais, il reste deux. Et là, je vais être un petit peu astucieux parce que moi aussi, je commence à galérer. Et je galère surtout aussi, vous ne voyez pas, mais je galère avec Zoom. Je vais mettre sur le côté gauche pour mieux marcher. Alors, pourquoi ce que je vais faire là, c'est ça en fait. Je vais reprendre directement le dessin, même si... c'est peut-être pas géant, mais ça va nous permettre en fait de faire les choses tranquillement. Et évidemment, j'ai mis le truc pas au bon endroit. Ok. Alors, est-ce qu'on est d'accord que sur cette calcène-là, il est ni Z ni E. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est deux groupements identiques. S'il a deux groupements identiques, il est ni Z ni E, il n'y a pas de question à se poser. Okay ? Donc celui-là, il ne nous intéresse pas. On va regarder celui-ci par contre. Celui-ci, on a donc au niveau de son carbone là, on a un carbone et un autre carbone. On ne peut pas les distinguer. Ce carbone est lié à rien d'autre que de l'hydrogène. Ce carbone est lié à un autre carbone. Celui-là, il est 1. Et celui-là, il est 2. On s'intéresse maintenant à l'autre carbone qui suit. Eh bien, vous avez ici un hydrogène qu'on va rajouter là. Donc, carbone, hydrogène. Le premier, c'est le carbone. Celui-ci, le deuxième, c'est celui-là. On voit qu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Ici, on a la configuration E. OK ? Alors ensuite, sur cette molécule-là, cette alcène-là, alors, on ne fait pas Z ou E dans les cycles. Alors, dans les cycles inférieurs à 8 carbones. Alors, pourquoi c'est comme ça. Comme ça. En l'occurrence, on pourrait le faire ici, mais ça n'a pas de sens parce qu'on ne pourra pas dessiner un autre conformaire des choses parce que ça induirait une tension de cycle telle que de toute façon, vous n'auriez pas l'autre stéroisomère. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Le fait de faire un cycle, ça induit forcément une conformation et donc on ne s'amuse pas à le déterminer s'il est Z ou E. Ok ? Pour celle d'avant, en fait, si on essaye de faire la Z, je pense que ça encombre la molécule vers le bas. Ouais, non. Donc ça marche pas en fait. Si, ça marche. Là, le truc comme ça, on va mettre l'hydrogène comme ça, le OH comme ça.
puis ça fait ça. Bon, je triche, là, je suis en train de faire des liaisons super longues. Mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est possible. D'ailleurs, tiens, je vais profiter d'avoir une page Internet. Vous avez des molécules qui pourraient paraître super encombrées, mais je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment je peux faire un nouveau partage, cette fois-ci, de ma page Internet. Hop. On va essayer de voir. Hop là. Là, du coup, vous voyez ma page Internet avec des mails ou des choses comme ça. Donc, vous avez des molécules qui s'appellent des hélicènes. D'accord ? Les hélicènes. Les hélicènes, c'est des molécules comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, en image, c'est assez rigolo parce que ça fait un enchaînement et vu de profil, en fait, la torsion est telle que ça fait des hélices. Et alors, à titre d'amusement, en fait, on peut faire des hélices qui vont vers la gauche et des hélices qui vont vers la droite. À la fin, ça fait des composés qui sont chiraux parce que comme les tire-bouchons, vous savez, vous avez des tire-bouchons pour gaucher, des tire-bouchons pour droitier. Je pense que vous avez compris que l'humanité a trouvé qu'il était nécessaire d'aider les bouchers pour ouvrir les bouteilles de pinard. Hein, quand même, enfin, vous voyez bien, c'est une invention française, bien sûr. Mais bon, il y a des tire-bouchons à gauche et des tire-bouchons à droite. Et ce qui est amusant sur les hélicènes, c'est qu'avec aucun carbone asymétrique, en fait, on crée de la chiralité. D'accord ? Un peu, un petit peu à l'image des coquilles d'escargot. Donc, même si on a de l'encombrement comme ça, et a priori, il y a de l'encombrement, mais on arrive à faire des composés comme ça et on arrive à faire ce genre de choses. Okay. Donc là, pour le coup, hors du cycle, pour en revenir à mon partage de board, là, hop. Donc, pour le coup, c'est possible de faire ça. Au pire, il y aurait une torsion. Et puis, dans ce cadre-là, même... N'oubliez pas que là, on peut tourner autour des simples liaisons. Donc, il n'y aurait pas de problème à faire l'autre contour. OK ? Donc, ici, les Z. D'accord ? Vous avez des questions là-dessus ? Du coup, Z et E, on ne le fait pas dans le cycle, mais on ne le fait pas... on ne le fait pas non plus sur les chaînes. Parce que c'est des groupements identiques, c'est ça ? C'est surtout que on va le faire si vous voulez. On va rigoler. C'est comment vous allez me dire que celui-là il est 1 et celui-là il est 2 ? Et celui-là il est 1 ou celui-là il est 2 ? C'est le même problème que vous auriez en faisant sur les carbones asymétriques. Si vous avez un CH2 par exemple, du coup il y a deux hydrogènes, il n'y a pas d'asymétrie. D'accord. Ok ? Donc là c'est pareil, les deux groupements sont identiques. C'est fini, quoi. Ok. Et donc, dans les cycles à plus de 8 carbones, on peut faire... Parce que dans les cycles à plus de 8 carbones, du coup, vous avez plus de degrés de liberté. Je ne sais pas si le terme degré de liberté, vous comprenez ou vous avez plus de flexibilité. Degré de liberté, ça vous dit quelque chose, d'accord, ça ? D'accord, oui. Et on peut prendre le terme de flexibilité, si vous voulez. Vous avez plus de flexibilité dans ces cas-là. On peut avoir des doubles liaisons qui prennent des qui peuvent être de configuration Z ou de configuration E au sein d'un cycle à 8 chaînons. Alors, il y a quelques molécules naturelles qui ont des doubles liaisons bizarres à l'intérieur de ça. Je crois qu'il y a la dactylolide de souvenir, mais je suis pas sûr. Le dactylolide. Voilà. Alors, hop, et bien sûr, vous ne le voyez pas, le dactylolide, à quoi ça ressemble. Donc, voici le dactylolide. Vous avez un cycle ici. Donc, c'est un produit naturel, c'est un anticancéreux de souvenir. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un cycle à 17. D'accord ? Donc, ce n'est pas le truc classique. Hein, même si on trouve ça dans les produits naturels, c'est issu d'une éponge marine, je crois. À l'intérieur, les cycles, là, les doubles liaisons qui sont là, là, on peut, même si c'est dans un cycle, on peut leur dire s'ils sont Z ou s'ils sont dans ce genre de truc. D'accord ? Le dactylolide dépend ici d'ailleurs et pas celui-là. Ok ? Donc là, on a affaire à des choses qui sont comme ça, oui. Mais autrement, dans les autres termes, donc c'est pas ce genre de choses. Ok ?
Là, vous avez un cycle qui permet de la rotation. Bon, je vais peut-être... Là, je regarde l'heure. On a fini la partie stéréo. Demain, on se voit encore. D'accord. Et moi, je veux bien répondre à des questions là, mais ce que je vais faire là surtout, c'est que je vais enregistrer celui-là. Donc, je le renomme. Non, c'est celui-là que je veux renommer. AL1SDV. Hop. Exo 7. Hop, et je l'exporte. Ma PDF. Ok, alors, ce que je vous propose, c'est j'arrête là on arrête là le zoom. Hein. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Alors, attends, j'aimerais bien retrouver mon zoom normal. Hop, comment je fais pour mettre le truc ou alors il faut que j'arrête de partager l'écran. Comment on fait pour arrêter de partager l'écran? Si je fais j'arrête. Ah oui, arrêtez. Voilà. Alors je voudrais voir déjà combien j'ai de participants. Donc 35. Est-ce que pour s'amuser là, est-ce que pour voir un peu vos têtes, vous pourriez mettre votre caméra, que je vois un peu vos têtes quand même? Non, ça vous embête? C'est pas possible. C'est pas possible. Ah si. Compliqué, hein. Non, voilà. Nicolas, je suis sur, mon PC, j'ai pas de webcam. D'accord, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour que je revoie les têtes un petit peu des gens. Quoi. Demain promis, alors. D'accord, non, mais c'est pas. Ça n'a rien de faire. Là, j'arrête l'enregistrement. Hein.